Assalamu alaikum, c'est Hamdani Abdrahman, ancien basketteur. Honneur de vous rencontrer au premier salon national des sports. Merci beaucoup. Madame Bik, vos premiers pas au basket. كما كل شباب نمارسوا الرياضة أنا مارست حبيت كرة السلة الباسكت بول كنت نسكن في ساندي و جي سيني ليسونس لولمبيك دو ساندي هذاك الوقت سيتي لو اشتي يعني 60 قبل الانديبوندونس الو مع لي ولاد الحومه ولينا رحنا ولا سيني اون ليسونس اون كومونسي دي زونترينمون اي اون ايت اريفي افي دي بون زونترينور ان بون نيفو او بوان اون جيتي سيليكسيوني في ليك دالجي le centre d'entraînement c'était l'ex Lavignon, Jardin des Cycles. Et de là, on a poussé un peu. On peut savoir qui a été votre premier entraîneur en basket? Le premier entraîneur, ils étaient deux frères jumeaux, c'est les frères Sormont, ils avaient une pompe à essence à la Saint-Jean du Saint-Dé. C'est les deux frères qui s'occupaient des entraînements des athlètes. Basket. Et depuis, on bat après le basket. On bat de basket, on a viré vers l'haltérophilie, où je suis à présent à l'haltérophilie en qualité de président de la Ligue d'Algérie d'haltérophilie. Allah Iber. Arbitre international, ayant officialisé plusieurs rencontres internationales à l'étranger. Allah Iber. Donc, comment ça a été le passage du basket vers l'haltérophilie? Parce que à cette époque, nous les jeunes, on aimait bien la musculation surtout. La musculation, on a commencé avant, il n'y avait pas d'haltérophilie, jusqu'à ce qu'ils sont venus les émigrés, comme des anciens, comme Gomsiel, comme je cite des noms. Ils ont ramené l'haltérophilie ici en Algérie, et comme on faisait de la musculation, bodybuilding, on est passé à l'haltérophilie parce que c'était des mouvements techniques qui nous intéressaient beaucoup et pour soulever beaucoup de charges, il fallait s'initier à une technique spécifique à l'haltérophilie. Et on a, depuis ce jour-là, on a aimé. Allah est bien, avec ça. Et vous êtes toujours à jour par rapport au basket ou la classe menale ou l'haltérophilie? Oui, de loin. Vous ne vous déplacez pas pour voir les matchs de basket, par exemple? Ou votre fonction de président ne vous laisse pas aussi? Ça veut dire que c'est le temps. Le café, je ne peux pas me délibérer pour aller. Un dernier mot pour notre jeunesse? La jeunesse, ce que je leur conseille, c'est Riyada, Touma Riyada, Touma Riyada. Il faut pratiquer le sport pour votre santé quand vous serez vieux. J'ai 65 ans aujourd'hui, c'est grâce au sport que je ne les fais pas. En fonction de ce que me disent les gens. Et sincèrement, vous ne les faites pas. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous le dis.